Salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que ça va Est-ce qu'on m'entend On a qui ce soir Qui est là On a Thibaut, on a Jequif, on a Trust, on a Eric, on a Olivier, on a Titi, on a Jérôme et on a Rando. Salut tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir. Yo Comment ça va bien Comment ça va Bon, vous allez bien les copains avec cette chaleur. Bien Bon sang, super Bienvenue à tout le monde, bienvenue dans ce live du mois de juillet où ce soir on va bosser donc, euh, 10 astuces que je vais vous donner pour les photos euh, nature de manière générale. Euh, lorsque l'on se promène euh, dans les chemins, dans les forêts, dans, euh, dans les bois, à la mer ou quoi que ce soit et qu'on a envie de faire de la photo, que ce soit de la proxy, que ce soit de la macro, que ce soit de la photo de paysage ou autre, on a toujours le réflexe et notre œil va être attiré par quelque chose. Mais si on ne prend pas deux secondes pour réfléchir à ce qu'on va faire, on va faire la photo de monsieur tout le monde. Donc euh, bah, je me suis dit tiens en préparant ce live je vais prendre une feuille, un crayon et je vais noter les 10 astuces que j'utilise, euh, pas forcément depuis longtemps, hein, mais que j'ai découvert et qui me semblent moi indispensables pour réussir des photos, en tout cas euh, sympathiques, si ce n'est euh, si joli. Bienvenue euh, aux youtubeurs, bienvenue à ceux qui regardent tout ça en live, enfin en live, ça c'est les copains de maintenant, mais en tout cas en, en rediff. Euh, ça va être plutôt sympa. Nickel, les voisins font du karaoké, mais ça va. Ça va et toi, bonsoir. Le son super, bonsoir. Hop là. Ok, c'est bon. Est-ce que tout le monde est là On va attendre 2-3 minutes, histoire que... Euh, histoire que, voilà, tous ceux qui veulent participer au live soient là. Et puis on va commencer tout ça. Alors Jérôme, toi, as des, euh, toi as des voisins qui font du karaoké, moi j'aurai peut-être la famille qui jouera dans le jardin. Vous entendrez peut-être des cris, je ne sais pas. Hop là. Bonsoir, il y a Raphaël qui est là. Salut Raph. Et on a Michel qui est là. Salut, salut. L'image et le son sont en décalage. Oui, ça arrive avec euh, ça arrive avec euh, la LAN, avec euh, le débit. Malheureusement, alors je vais mettre mon micro devant la bouche. Comme ça, vous ne verrez pas mon décalage. <laughs> ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver malheureusement. Alors, est-ce qu'on ne commencerait pas, les amis Je vous présente euh, le petit décor de ce soir qui va changer. Le décor va, le décor va changer dans la mesure où euh, je vous ai préparé euh, ben, plusieurs photos. Alors, je, je, je précise que toutes les photos sont de moi et euh, elles vont correspondre aux astuces que je vais vous donner. Alors, j'espère que le chat sera, euh, sera actif et que vous allez également participer et me donner aussi, puis donner à tout le monde un petit peu vos trucs et astuces. Donc, euh, on, 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 on parle bien évidemment aussi de photos animalières, même si j'ai pas mis de photos d'animaux pour ce soir, mais c'est vraiment de la photo de manière générale. Hein. C'est de manière générale. Euh, ok pour le son, ça va peut-être pire pour ceux qui chantent. <laughs> ah, ça dépend, tu sais si mes enfants commencent à chanter, ça peut. Ou ma femme d'ailleurs. <laughs> ça, peut, ça peut donner aussi. Et il y a, y a Michel qui vient d'arriver. Salut Michel. Alors, donc cette photo-là, je vous la représenterai tout à l'heure celle qui est en fond là, euh, ça fera partie d'une des astuces. Voilà, en tout cas, je compte sur vous pour partager vos trucs et astuces, vos questions. On est là pour partir pour une heure de live ensemble. Alors, j'ai fait plein de petites préparations techniques, j'espère que ça vous plaira. Hop là, on commence, messieurs, dames, avec hop là, la première astuce. Astuce numéro 1, quand et où, quand vous faites des photos. De nature, on est d'accord que euh, un arbre, une fleur, un insecte, un nuage, qu'on se mette bien d'accord hein, sur le principe de photo nature, ça peut être un animal bien sûr, mais comme on en parle souvent des animaux, on va parler principalement pour ce soir que des photos un petit peu plus abstraites, un buisson, euh, une écorce d'arbre, un, un trait de lumière, etc. J'ai envie de vous donner ma première astuce qui est quand et où. Alors pour ça, je vous présente ma première photo. Et j'enlèverai ma tête après, bien évidemment, pour que vous puissiez éventuellement la regarder un peu mieux que ça. Hello, on a Claude qui est arrivé. Salut Claude. Euh, alors, en fait... Quand je veux dire astuce numéro 1, quand et où, ça veut dire que la plupart du temps, on subit plutôt les photos. C'est-à-dire que tiens, on se fait une balade, là on va partir en vacances, peut-être qui sont revenus de vacances, une être qui vont partir de vacances, vous allez prendre votre objectif, votre appareil photo, puis vous avez envie de faire des photos. Et puis, euh, bah, vous décidez avec la famille d'aller à un endroit, et à cet endroit, bah, ce n'est pas vous qui choisissez spécialement pour les photos, et puis vous vous, vous baladez à des heures un peu classiques, entre guillemets. Et quand on a vraiment cette démarche de vouloir faire des photos, donc j'ai bien dit une séance photo, hein, on n'est pas en train de se balader forcément avec tout le monde, c'est hyper important de choisir le quand et le où. Pourquoi Parce qu'on va généralement aller chercher des lumières qui nous intéressent. Alors là, celle que je vous montre, c'est la Golden Hour hein, il y en a deux, que ce soit au crépuscule ou à l'aube. La, la, musique, la, musique, la lumière sera plus douce euh, et moins agressive et les couleurs seront un peu plus euh, ressorties. Donc on connaît ça relativement bien chez la plupart des photographes, même amateurs. Euh, mais c'est important que vous choisissiez parce que si vous choisissiez, vous allez connaître la couleur de la lumière, de la couleur du soleil, et puis vous allez connaître aussi euh, l'endroit du soleil, sur quoi il va taper, quelle structure il va taper, quelles sont les couleurs qu'il va y avoir, et c'est beaucoup plus euh, euh, créatif lorsqu'on maîtrise ces, ces éléments-là. Quand vous ne les maîtrisez pas, eh bien, c'est un coup de bol. C'est un coup de bol, c'est un coup de chance, voire même c'est pas vous qui allez le voir, c'est quelqu'un qui va vous dire Ah oh, tiens, regarde là-bas, c'est joli Donc c'est beaucoup plus sympa de maîtriser ça en tout cas. Est-ce que j'ai dit bonjour à tout le monde Claude, Daniel et José, salut tout le monde Salut, salut Donc voilà, j'enlève ma tête. Bon, c'est une photo, euh, j'ai aucune prétention avec les photos que je vous présente ce soir. Attention, on soit bien d'accord, hein. je ne suis pas le meilleur photographe du monde, je vous présente juste des photos que moi j'apprécie. Euh, donc voilà, c'est simplement euh, un ciel, en hein, ce cas le plus simple, qui est bah, de mon jardin tout simplement, avec un effet de lumière que je trouve très sympathique, et je voulais exactement ça, je voulais ces lignes directrices en plein milieu, je voulais le contraste avec euh, euh, le soleil et la lumière, et je trouvais ça hyper intéressant tout simplement. <laughs> je trouvais ça un peu hyper intéressant et donc je l'ai voulu cette photo-là. Tout ça pour vous dire que voilà c'est exactement la lumière que je voulais et je n'ai pas fait de retouche. Alors on en a tous fait et je suis sûr que vous avez des photos beaucoup plus jolies que ça dans votre disque dur, mais c'est pour vous montrer et puis pour pouvoir vous présenter euh, concrètement qu'est-ce que je veux dire par le camp et le et le et le où, le où c'est exactement l'endroit que je connaissais et le camp c'est exactement exactement l'endroit. Euh, que je connaissais également. Ça évite les frustrations, tu as tout à fait raison, Eric. Il euh, y a rien de plus frustrant. Bon, après, nous, on connaît ça, en hein, photo animalière, de voir un animal et n'a pas avoir fait les réglages et puis qu'il s'en aille, bon, bien évidemment que c'est frustrant. Mais lorsque l'on peut prévoir tout ça à l'avance et la plupart des photographes de paysage euh, connaissent ça très bien euh, je me remets ma tête parce que depuis tout à l'heure je vous parle mais vous me voyez pas euh, les photographes de paysage connaissent ça très bien ils ont plutôt tendance à maîtriser leur sujet parce qu'ils connaissent très bien l'endroit où est-ce qu'ils vont faire la photo donc voici la première photo que je voulais vous montrer euh, on a Jérôme qui nous dit golden hour plus beau mais plus compliqué non car besoin de plus grand temps d'ouverture euh, alors oui et non, en fait, c'est surtout que euh, dans les extrêmes, bien évidemment, quand tu as beaucoup, beaucoup euh, d'obscurité, bien évidemment que c'est plus compliqué. Euh, la Golden Hour, elle est topissime, c'est quand les jours sont les plus longs, donc mai, juin, juillet, août, bien évidemment. On va taper la Golden Hour en plein hiver, ça va être très compliqué. On est d'accord que ça donne aussi des contraintes, bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais euh, c'est plutôt sympathique. Je vous donne la deuxième photo. Du coup, bon, celle-là, hein, je pense que vous l'avez bien captée. Je vous donne euh, la deuxième photo pour, pour cette astuce-là. Tac. alors celle-là, elle est très récente. Je vous en parle un peu et après j'enlève ma tronche. Elle est très récente. C'était un affût euh, qui n'a rien donné. J'étais en haut d'un pré, enfin j'étais bien préparé, etc. Et euh, je me suis dit tiens, je vais me balader et puis j'ai absolument rien vu ni renard, ni, ni chevreuil, ni pic, ni buse, ni absolument rien. Et sur le chemin du retour, que je connais très bien, eh bien, j'ai tout simplement euh, eu cette magnifique couleur qui est arrivée sur le champ. Que je, que je, que je, que, pour lequel je marchais. Et j'ai trouvé ça ben, juste magnifique et incroyable. Et cette photo n'a zéro retouche. Elle a absolument zéro retouche. Et j'en suis très fier et très content. Euh, je trouve que ça sublime énormément euh, les petites euh, brindilles d'herbe auxquelles on ne fait pas spécialement attention. Et je connaissais cet endroit, je connaissais très bien euh, ce soleil, c'est juste que je n'y étais pas venu exprès. Et donc, du coup, je me suis dit, je ne vais pas sortir euh, bredouille, il faut absolument que je revienne avec des photos. Et euh, j'ai tiré appel en rafale 5-6 fois, je crois, et cette photo est ressortie. Donc, j'en suis très content. Mais si je ne connaissais pas ce soleil, si je ne connaissais pas ce prêt, je ne pense pas que je l'aurais tenté comme ça. Je pense pas. En tout cas, je l'aime beaucoup. Rando qui nous dit j'ai loupé Martre, Renard, Chevreuil, qui sont passés devant moi cette semaine en rando frustrant, ne pas pouvoir plus les immortaliser. Je pratique pas beaucoup l'affût. Et en même temps, il y a Six qui arrive. Salut Six. Rando, c'est c'est très compliqué de vivre ça, effectivement. Après, euh, tiens, si je mettais mon téléphone là, ça serait cool, non Ah bah ouais, ça mange bien. Euh, on la voit pas d'ailleurs, mon téléphone, on le voit pas. Non, super. Donc euh, voilà. Euh, oui, bien sûr que c'est frustrant pour toi, Rando. Par contre, tu les as vus. Effectivement, tu n'as pas de souvenir, mais tu les as vus. Combien de personnes n'ont jamais vu, euh, tu me dis quoi, une martre de martre de leur vie Combien de personnes n'ont pas vu de martre dans leur vie Combien Énormément. Toi, tu les as vus, c'est déjà un plus. Bien sûr, c'est frustrant de ne pas ramener quelque chose à la maison. Néanmoins, euh, tu les as vus, c'est déjà pas mal. Alors, est-ce que du coup, on, on, on enchaîne sur la deuxième astuce La première astuce, ça vous va est-ce que vous comprenez bien, est-ce que vous avez bien compris le principe du quand et de où de maîtriser euh, sa photo, son lieu et sa lumière Je vous laisse un petit peu le temps de réagir sur le chat. Et on peut enchaîner sur l'astuce numéro 2. N'hésitez pas aussi hein, si vous avez d'autres astuces pour vous à partager. Déjà les croiser, c'est énorme en effet. Ouais, Eric, on est d'accord. Allez, on est parti sur la deuxième astuce. astuce cette astuce-là, vous, vous la connaissez très, très bien. La règle des tiers. La règle des tiers, euh, c'est une des règles essentielles dans la photographie qui n'est absolument pas obligatoire. Pas du tout, du tout, du tout. Euh, et cette règle, euh, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je suis sûr et certain que, euh, on est 18, là, que dans les 18, vous êtes 18 à la connaître. Euh, néanmoins, on va essayer de la travailler un peu, essayer de comprendre surtout l'intérêt et le pourquoi et du comment. Ça peut être intéressant. Pendant ce temps-là, je vous lis. Euh, Jérôme qui nous dit jamais vu de Martre, juste entendu une fouine ramener un pigeon dans le toit de mon ancienne maison. Ouais, effectivement, la fouine est très, euh, très prédatrice. La différence entre fouine et martre, hein, vous connaissez, c'est principalement la bavette. La marte aura une bavette plutôt jaunâtre, euh, qui va plutôt empiéter euh, sur ses pattes, alors que la fouine aura une bavette plutôt blanche, qui ne va pas empiéter sur ses pattes. Et plus petite également. On a euh, Titi qui nous dit « C'est frustrant euh, de ne pas immortaliser l'instant, mais tellement bon de vivre ces moments. » Exactement, Titi. Et c'est le réflexe qu'on doit avoir, nous, absolument, lorsqu'on voit un animal et qu'on n'arrive pas à ressortir quelque chose. C'est pas grave, le principal, c'est qu'on l'a vu. Et on a Greg qui vient d'arriver. Salut Greg. Alors, on est parti pour la règle des tiers. Hop là, je vous montre la première photo que je souhaite vous montrer pour la règle des tiers. J'enlève ma tête. Une photo euh, que je vous explique un petit peu le contexte, hein, qui est fait sur une souche, une souche pardon, un, de, de, de bois, d'un stère de bois. Donc c'est une stère qui n'avait pas beaucoup bougé. Et du coup, euh, cette stère qui n'a pas beaucoup bougé, il y a de la mousse qui, qui est arrivée dessus. Et donc, vous avez de la mousse, vous avez plein de petites mousses un peu différentes, et puis vous avez leurs graines qui commencent à pousser dessus ce que vous voyez là, une tige avec une graine. Euh, et ce que je souhaitais faire, c'était absolument montrer ce tapis de mousse et en même temps euh, cette petite euh, graine. Et le principe de la règle des tiers, c'est pas compliqué, c'est le fait que l'œil, naturellement, va être euh, attiré. Et c'est dans plein de choses, mais c'est généralement dans tout ce qui est vidéo ludique, dans tout ce qui est visuel, que ce soit un film, que ce soit une affiche, que ce soit une publicité, va être attiré euh, avec un ordre spécifique, comme dans un bouquin. Alors je m'explique. Quand on lit, on lit toujours de gauche à droite et euh, de haut en bas, et on est conditionné comme étant gamin comme ça depuis très longtemps. Et donc du coup, notre œil va être attiré d'abord dans ce qui se situe en haut à gauche. C'est un mécanisme qui est inconscient. On ne s'en rend pas compte. Alors bien évidemment, quand on a une expertise photo, peut-être pas, mais généralement c'est ça. Et si ce n'est pas en haut à gauche, ça va être une présence de notre œil dans principalement quatre coins. Ces quatre coins, j'enlève ma tête et je vous les montre. Vous les voyez là, ce sont ces quatre lignes, vous voyez, donc deux horizontales, deux verticales, qui vont donc faire des points, 1, 2, 3, 4. Et quand vous arrivez à positionner votre sujet sur un des points, donc là la graine en haut à gauche est positionnée sur à peu près un des points, ça vous permet en fait d'avoir une photo qui a une composition réussie. Alors la composition, je ne rentre pas dedans ce soir, mais en gros la composition, c'est tout ce qui permet euh, à votre photo de créer euh, une image. C'est tous vos choix artistiques. Euh, que ce soit la lumière, le cadrage, le flou d'arrière-plan, le premier plan, etc., etc. Je rentre pas dans les détails là-dedans. Euh, voilà, donc ça, c'est ça la règle des tiers. Et donc, systématiquement, lorsque vous arrivez à positionner votre sujet dès le déclenchement, c'est mieux. Vous pouvez le faire au recadrage, vous pouvez le faire au, au, au retouche, bien évidemment, mais c'est mieux à la prise de vue. Euh, ça vous permet, en fait, tout simplement de mieux créer votre composition et de mieux mettre votre sujet en avant. Donc, si, en gros, j'enlève... Tout ça voilà, on voit bien que normalement systématiquement votre oeil a dû être attiré par ça. Ok, est-ce que c'est bon la règle des tiers Ça vous parle ou pas du tout Vous l'utilisez vous ou inconsciemment ou pas du tout Comment, comment, comment est-ce que vous, vous vous faites Entre guillemets, est-ce que vous la connaissiez J'aimerais bien savoir dans le chat est-ce que vous la connaissiez Est-ce que vous l'utilisiez Pas du tout. En bon, ce temps-là, je prépare ma deuxième photo. On a Rondo qui nous dit Le sujet, j'aime bien l'avoir décentré. Je trouve plus intéressant. Ouais, effectivement, Rondo, donc le fait de décentrer sans forcément respecter la règle des tiers. Hein, mais euh, j'adore également personnellement. Si, si vous me suivez sur Instagram, vous verrez que la plupart de mes photos, euh, le sujet est décentré. C'est rare que le sujet soit en plein sens. Ça arrive. Hein. Et Jérôme qui nous dit euh, Connaissez pas cette règle Très intéressant. C'est une des règles basiques de la photographie, Jérôme. Et euh, si tu veux un de ces quatre, on fera. Euh, on fera, parce que Jérôme fait partie de mes, de mes membres, hein, vous le voyez avec le petit truc là, le petit, le petit, le petit sticker. Euh, si tu veux, éventuellement je t'expliquerai les autres règles qu'on peut utiliser. Il y en a des tonnes et des tonnes. La règle des tiers, c'est la première, c'est la basique, c'est euh, niveau débutant. C'est comme ça qu'on commence à apprendre la photo. Elle n'est absolument pas obligatoire, mais c'est une des premières qui permet de se distinguer. Et Rando qui nous dit inconsciemment. Ouais, ouais, inconsciemment. Je vous présente la deuxième photo, du coup, qui peut vous expliquer euh, la règle des tiers. Je vais juste répondre à Michel avant. Euh, à Thibaut d'abord, Thibaut. Thibaut qui nous dit « Règle des tiers, j'utilise le recadrage ». Ok, mais énormément de mal à le réaliser en action de terrain. Ça, ça va dépendre, Thibaut, tu sais, de ta mise au point, de ton réflexe de mise au point. Je ne sais pas si ta mise au point, tu le fais au déclencheur ou si tu le fais au bouton action qui est derrière, euh, parce que souvent, c'est très intéressant d'utiliser bou ce bouton de mise action derrière pour faire ta mise au point, parce que ça permet de faire ta mise au point euh, généralement en spot, Hop, et ensuite de quel de, de est le sujet déjà à la, à, la, à, la, à la prise de vue, ce qui peut être intéressant. Euh, Michel, donc du coup, tu disais Ouais, souvent, mais en portrait animalier, je centre plus souvent. Ouais, bien évidemment, en portrait, tu peux plutôt viser l'œil surtout et puis tu as plus envie euh, artistiquement de, de toi ressentir peut-être l'animal donc euh, ça se discute pas hein, c'est un ressenti donc euh, chacun sa vision des trucs mais euh, effectivement c'est intéressant du coup d'avoir euh, sur un, un spot bah, différents photographes et on aura euh, deux ou trois photos différentes parce que chacun a sa vision des choses en fonction de l'émotion qu'on souhaite faire. Titi qui nous dit je l'utilise dans la mesure du possible à la prise de vue. Ok Titi, sinon au post-traitement en recadrant la photo. Ouais. Oh ouais, les deux sont possibles sans aucun problème. Je vous montre ma deuxième photo, du coup. Voilà ma deuxième photo. Ce papillon, donc le, le vulcain. Euh, comment est-ce que j ai, j ai, je l'ai fait Donc là, c'est hors cadrage hein, que, que ça a été à la règle des tiers puisque la photo est un peu plus grande pour vous expliquer tout simplement je suis au 156 ans. le vulcain passe juste à côté de moi se positionne sur le tronc et au fur et à mesure monte 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 et je me dis waouh s'il arrive sur ce trait de lumière là ce serait hyper intéressant et euh, c'est ce qui s'est passé donc j'ai pris la photo c'est lui qui était positionné comme ça et donc en gros si je remets vous voyez ma, ma, ma mon quadrillage et eh bien hop il retombe dessus donc là je l'ai créé au post-traitement parce qu'elle était un peu plus euh, en haut à gauche hein. mais euh, vous voyez que tout de suite alors je sais pas vous hein, je ne sais pas vous, mais euh, tout de suite, l'œil est plutôt attiré par le vulcan. Même si on a cette, euh, cette grosse masse verte-là, euh, le rouge, le blanc et le noir attirent notre œil, je pense, un petit peu plus. C'est pour ça que j'ai fait ma composition comme ça. Hop, là, ça donne en gros... Euh, voilà, quand je vous remets la photo classique, ça, ça donne ça. D'ailleurs, petite question euh, au chat, les amis. Vous, lorsque vous prenez euh, cette règle, la règle des tiers, naturellement, est-ce qu'il n'y a pas un des quatre points que vous utilisez plus que l'autre Alors plus, euh, alors que ce soit en prise de vue ou en retouche, hein, est-ce qu'il n'y a pas un des quatre qui vous, ah, qui vous donne un petit, un petit plus Vous avez préféré, naturellement, vous positionner hein, et, et, et je vous laisse juste répondre s'il y a un, un des quatre points que vous utilisez plus. Et après, je vous explique pourquoi je vous dis ça. Parce qu'en fait, ça peut être révélateur sur votre façon de penser. Michel qui nous dit... Euh, oui, c'est sur compo intéressante. Je vous laisse répondre un petit peu. Je sais qu'il y a un petit décalage entre le live et entre le chat. Quel point en haut à gauche En haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, c'est quoi que vous utilisez le plus Alors pourquoi je vous demande ça Tout simplement parce que... Euh euh, Rando qui me dit plutôt en bas à gauche. Michel, moi c'est souvent celui en bas à gauche. <laughs> les gars, vous vous retrouvez, c'est rigolo. Euh, alors pourquoi je vous dis ça En fait, dans l'inconscient, et alors c'est des règles de photographie, hein, mais euh, on, on les utilise, on y croit, on n'y croit pas. Hein, mais euh, lorsqu'on veut influencer, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais en gros c'est ça, euh, un, un public. Euh, j'aurais tendance à dire en haut à gauche. Vous êtes tous à gauche. Hein euh, et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. En bas à gauche, 6. Ok, ben je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Euh, quand on veut donc, donner un sens à une photo et à, à, à une action, lorsque vous êtes à gauche et que le personnage va ou le sujet va vers la droite, vous êtes donc en train d'avancer. Vous êtes en train en fait, de, de faire une action qui pousse euh, le sujet en fait, à aller vers la droite. Et donc c'est plutôt dans la ligne du temps vers l'avant, vers le futur. Vous êtes en train de, de créer une action entre guillemets qui va se dérouler. Donc, quand vous faites la photo, on a plutôt tendance à dire tiens, qu'est-ce qui va se passer Voilà, c'est cette question-là que vous êtes en train de poser. Euh, mais il faut que le sujet regarde à droite, bien sûr. Si c'est la même chose, vous êtes à gauche, en haut à gauche ou en bas à gauche, imaginons, mais que votre sujet regarde à gauche. Donc, imaginez que vous l'avez bien, bien décalé à gauche. On est d'accord. Là, en fait, on a l'impression, on va créer une petite frustration parce qu'on a l'impression que le sujet va sortir du cadre. Et du coup, euh, on est plutôt dans le passé, puisque le sujet va aller vers la gauche. Et donc, tout ce qui est à droite, c'est ce qui s'est déjà passé. On pourrait voir, par exemple, un renard avec un mulot dans la gueule, tout le champ sur sa droite. Et dans ce cas-là, on pourrait se dire tiens, il vient de chasser et il s'en va. Alors que, et il s'en va de sa zone de chasse. Alors que si on fait l'inverse, que le mulot est dans sa gueule, qu'il va vers la droite et qu'il est à gauche, et que tout le champ est à droite. On va plutôt dire tiens, il s'en va, euh, il retourne chasser, par exemple, ou alors il retourne à son terrier, mais on est plutôt dans une action dans une action future. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis ça. Pensez-y, vous verrez que... Alors c'est un petit peu tiré par les cheveux, bien sûr, mais ça peut jouer de temps en temps. Et ensuite, entre le haut ou le bas, c'est le même principe. C'est-à-dire que si le personnage... Là, vous voyez le papillon, il on a l'impression qu'il va plutôt sauter, qu'il va s'en aller et qu'il va descendre. Et nous, qu'il va se cacher derrière euh, les feuilles vertes. Alors... Ça dépend, chacun verra ce que ça lui procure comme idée, sensation, émotion, j'en sais rien, mais ça peut jouer. Imaginez juste deux secondes, si j'avais pris la photo, donc si j'avais triché, parce que là il est dans le bon sens, hein, et je l'avais retournée, et donc du coup vous aviez le papillon qui était plutôt en bas à droite et qui montait, et ben, ça n'avait pas du tout le même sens. Donc vous voyez, c'est hyper important dans votre composition. Et c'est pour ça que cette fameuse règle des tiers a son utilité pour les très grands photographes et qui veulent vraiment avoir une histoire derrière, etc., et donner euh, un avant, un après, voilà, ça peut, ça peut être utilisé. Euh, ensuite, qu'est-ce que vous me racontez Il y a Michel qui me dit pour la lecture de l'image de gauche à droite et de bas en haut. Oui. Euh, ça dépend où on regarde le sujet. J'ai jamais fait attention. Bah, tu regarderas, Twenny. Salut, Twenny. Salut, je ne sais pas si je t'avais dit bonjour. Tu regarderas. Des fois, on peut interpréter des photos différemment. Si vous avez un bateau, si vous avez un avion, si vous avez quelqu'un qui court, quelqu'un qui marche, quelqu'un qui. Voilà. Bref. J'espère que ça vous a appris quelque chose. On va passer à l'astuce numéro 3, si vous êtes OK. Hop là. Astuce numéro, numéro 3, les amis. Let's go! L'astuce numéro 3, varier les angles. C'est quelque chose qui est euh, assez difficile lorsqu'on a les pieds figés euh, dans le marbre et qu'on n'a pas l'habitude. Euh, on est toujours assis sur un tabouret en affût avec un, un appareil photo en trépied, ou alors on est debout avec notre appareil photo directement comme ça. Et euh, une des règles en photo animalière, vous le savez, c'est d'être au niveau euh, du sujet. Donc si on est en train de filmer un, un renard, c'est mieux de s'accroupir. Si vous êtes en train d'être avec un cerf qui est bien debout, c'est mieux d'être debout, etc., etc. Pour pouvoir avoir cette vision d'œil à œil. Pourquoi Donc pour éviter d'avoir cet effet de contre-plongée ou de plongée, qui vont soit écraser le sujet, soit que le sujet vous domine. Et donc ça a fait des effets artistiques qui ne sont pas très jolis. Il y a qui, qui est arrivé Il y a aussi une Salut Ossine. bienvenue. Et donc du coup, varier les angles, ça vous permet d'avoir des photos complètement différentes et surtout différentes de celles du voisin qui est en train de faire la même chose ou qui a eu le même spot que vous, tout simplement. Alors je vous présente la première photo pour illustrer ça. Voici une photo, je vous l'explique, je vous la montre après. Enfin, je la prends après vraiment. Et toujours dans mes stères de bois, j'aime beaucoup les stères de bois. Euh, je suis avec mon 90 mm macro. Et je vois cette punaise dans la fente d'un morceau de bois. Et euh, je la trouvais sympa, elle ne bougeait pas trop, et elle, elle, ferait, elle faisait, je pense, une photo plutôt sympa en termes de contraste. J'ai donc fait ma photo comme il fallait en macro. Euh, j'ai euh, fermé énormément, pardon, j'étais à F13, j'ai pris une vitesse très très grande parce qu'elle bougeait aussi un peu de temps en temps, elle sautait, enfin bref. Et je fais cette photo. Et puis j'en suis assez content, mais sans plus. Et à un moment donné, je me dis quand même, je sens qu'il y a un potentiel dans ces photos, il faut que je fasse autrement. Alors j'ai fait autrement, je vous la montre. J'ai fait autrement, je me suis mis sur le côté. Pourquoi Parce que j'ai pris le temps de louper ma photo. Alors quand je dis prendre le temps de louper ma photo, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai découvert un autre angle beaucoup plus sympathique qui était donc sur le côté. C'est-à-dire que là, on arrivait au bout de la stère de bois. J'étais sur le euh, dernier morceau de bois, en fait, sur le, sur le côté. Et en fait, le bois était fendu. Donc, je pouvais accéder à l'autre côté. Et là, j'avais donc un effet complètement différent, puisqu'on a la pression que la punaise est bloquée dans le bois, entre guillemets. Et surtout, on ne la voit pas de face. On la voit bien de côté. Et donc là, elle prend tout son volume. Je vous la remontre. Et là, il y a un fort intérêt. Et si je n'avais pas bougé, si je n'avais pas fait l'effort et de me dire, bon tant pis, le temps que je bouge, le temps que je bouge, euh, elle s'en va, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai tenté, j'ai voulu varier en fait mes angles. Alors, je n'ai pas mis la, la deuxième photo parce que je ne l'ai pas gardée, mais ça aurait été intéressant, je m'en rends compte maintenant. Mais vous voyez, s'il n'avait pas bougé, s'il n'avait pas varié les angles, alors là, c'est les, les angles de la structure, eh bien, <laughs> euh, peut-être que je n'aurais pas réussi cette photo. Alors quand on dit varier les angles, ça veut dire vous bougez, bien évidemment, mais euh, pas que dans le sens géographique euh, euh, au bas, gauche, droite et marcher. Non, il y a aussi physiquement. Vous devez vous accroupir, vous devez vous allonger, vous devez vous mettre sur le dos, vous devez tendre le bras, pas tendre le bras, vous devez vraiment, entre guillemets, vous mouiller la chemise. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ça Pas euh, bah, hésiter à prendre des, des positions un petit peu saugrenues pour avoir exactement l'angle. Et la vision que vous souhaitez. C'est hyper important en fait de prendre des risques. Alors lorsque vous êtes dans une situation qui bouge, et oui, c'est beaucoup plus compliqué que lorsque vous avez une situation où bah, l'animal euh, ou euh, le sujet bouge quasiment pas. Là, là on a plus le temps de, de, de faire des choix et de réfléchir, bien évidemment. Euh, Zen, comment ça 19 personnes qui regardent et seulement 14 là. <laughs> Merci Zen. Euh, Rando, j'ai filmé un criquet couché par terre, difficile d'être à hauteur de ses yeux. Ouais, je suis... Oui, bien sûr, Rando, bien sûr. Mais t'as tout à fait raison. Euh, quand vous faites un peu de macro, c'est extraordinaire de pouvoir s'allonger. Moi, j'adore ça. Et il n'y a rien de tel quand vous rentrez à la maison que votre fringue, vos fringues soient mouillés, sales, ça vous gratte. Enfin voilà, vous êtes investi physiquement et tu as tout à fait raison d'avoir fait ça. Bien évidemment que c'est ce qu'il fallait faire, Rando. Alors oui, euh, être à hauteur de ses yeux, on est d'accord qu'il y a certaines limites. Michel, ah ouais, j'ai oublié le Like. Michel, <laughs> c'est pas grave, Michel. T'inquiète pas, aucun problème. Tu es là, c'est le principal. Et Thibaut, c'est encore plus flagrant en macro, je pense. Oui, oui, là, c'est un exemple de macro, c'est flagrant, mais ça peut être aussi sur le cas sur du paysage. Je prends les l'exemple souvent. Euh, par exemple, exemple, je dis beaucoup, D'un bateau, tu vas prendre en fait euh, son côté avec sa voilure, et dès que tu vas être en face, ça sera complètement différent. Euh, donc, ça peut marcher aussi sur les portraits, sur les paysages. Ça marche surtout, mais sur le macro, c'est assez, euh, c'est assez euh, probant. Je vous montre la deuxième. Euh, je demanderai à ma femme de fermer ses yeux parce qu'elle, elle va pas aimer du tout la deuxième photo que je vais montrer. Et pour les gens qui aiment pas trop les escargots, les limaces, tout ça, ne, ne regardez pas la photo. Je vous préviens, vous avez vu, je suis sympa. Je vous préviens, je vous montre la deuxième photo. Euh, je vous l'explique, après je vous la montre. Euh, Celle-ci, c'est à peu près le même principe, sauf que là, c'est un peu comme toi, Rando, et eh bien je me suis allongé. C'est-à-dire que j'avais cette photo de limace, je ne sais plus son nom, vous m'excuserez, c'est la limace rouge-orange qu'on voit tous dans les, dans les forêts, et je la trouvais très sympathique, sauf que je la prenais euh, plutôt de haut, parce que je ne pouvais pas m'allonger, il y avait des flaques, il y avait de la boue, etc. Et euh, je trouvais ça sympa qu'on voit juste un tout petit morceau de sa tête avec les feuilles. Et bah euh, ben si, en fait, je me suis mouillé. J'ai pris mon courage à deux mains. En fait, je me suis allongé. Euh, je me suis vraiment, vraiment mouillé ma chemise, enfin le t-shirt. Euh, et j'ai pu prendre cet angle-là qui est beaucoup, beaucoup plus sympa. Je vous le montre. Et là, je trouve que la structure de la photo et la composition est très sympathique. Alors là, vous avez vu que par rapport à la règle des tiers, on n'y est plus du tout. Hein. Je fais plus du tout la règle des tiers. Pourquoi Parce que euh, c'est la composition que je souhaitais, tout simplement. C'est ça que c'est ça que je souhaitais. Euh, mais vous voyez que l'angle, il est vraiment au ras du sol. Imaginez que je suis quasiment dans une flaque d'eau là. Hein. Donc, euh, on est vraiment dans l'humus ici. Donc, si je ne m'étais pas agenouillé, euh, euh, cette photo-là n'aurait pas pu être exploitée en fait de ce sens-là. Euh, je vous lis. Euh, la dernière fois, une tique a fait un affût sur moi. <laughs> ça nous arrive, ça. Hein. Trust. On a déjà euh, parlé un petit peu des trucs anti-tiques. Euh, je fais une petite parenthèse. Il y a des, pa Il y a des pantalons hein, spécifiques. Vous avez des pantalons spécifiques. Vous avez des, des, des bobines de chanvre qui marchent très bien, que vous imprégnez de lavande et de menthe. Moi, souvent, c'est de la menthe sauvage et de la lavande que je frotte et que je mets partout dans mon pantalon. Ça me suffit généralement. Ça me réussit plutôt bien. Ça me réussit plutôt bien. Euh, on a qui On a Jérôme aussi qui nous dit Jamais vu une limace aussi belle. <laughs> c'est gentil. Euh, on va prendre ça pour un compliment, Jérôme. Fanny, non, mais en vrai, t'as pas le droit de montrer ça. Attention, je vais quitter le live. C'est ma femme hein, qui est là. Fanny Fache, c'est son pseudo. C'est ma femme. Donc, euh, elle a horreur des limaces et des, <laughs> et des... Et des... Et des escargots. Je t'avais prévenu, je l'ai dit avant. Je l'ai dit avant. Euh... Oh, tiens, on voit trop mon ombre derrière. Ça fait un peu dégueu. Comment je pourrais faire pour. Euh... Oh, oh, oh. C'est pas grave. Je viens d'arriver, vous en êtes où? Euh, Lila, j'ai vu ton message, tu l'as supprimé, mais je l'ai vu, vous en êtes tout. On est à la euh, deuxième astuce. Tu as loupé que la première, qui était euh, le camp et le où avec la Golden Hour. La numéro 2, euh, règle des tiers. Ah non, la 3, pardon, la 3, varier les angles. La 3, varier les angles. On a aussi une qui nous dit quoi Il dit je prends des photos d'insectes dès que j'en vois un joli. Je J'essaie de faire la photo comme je les ai vus au départ. Ouais, c'est ça. C'est souvent l'instinct du l'instinct du du photographe qui parle généralement hein, quand tu arrives à, à prendre la photo en fait comme tu l'as vu, comme tu l'as décrit. Ça peut être intéressant. Elle m'emmerde vraiment cette euh, oh oh. On dirait une inspection de police, euh, euh, interrogatoire place si je fais ça ça fait dégueu ouais si je fais ça ça fait dégueu il ouais, mais comme ça Voilà peut-être un peu mieux Zoup ouais, c'est pas grave euh... focal nature ok merci T'étais là focal T'étais là focal Je t'ai même pas dit bonjour salut focal Allez je vous remonte un petit peu un coup de limace et on passe à autre chose Eh bien ma limace. Il y a le mot « red » dedans. Il y a le mot « rouge » dans son nom latin. Je l'ai oublié, mais... Voilà Donc, on a vu le « quand » et le « où ». Il faut choisir les endroits euh, et le moment. On a vu euh, la règle des tiers. Super intéressant également quand on veut commencer. Et on a vu « varier les angles ». OK, merci. C'est Lila. Ah, d'accord. Tu t'es... Euh, Tic-tic. Tu t'es euh, switch, euh, switch de compte. On connaît ton pseudo maintenant <laughs> Euh, alors, on est parti pour la règle numéro 4, astuce numéro 4. J'avais envie de vous partager en quatrième astuce, varier les contrastes. Alors, varier les contrastes, j'adore. C'est, je pense, une des astuces que j'avais envie de vous partager en premier. C'est pour ça que je l'ai mis un peu près au milieu du live. Elle est géniale. Quand vous faites attention à ça, elle est géniale. Et ça donne un cachet phénoménal à vos photos. Qu'est-ce que ça veut dire varier les contrastes Pour moi, varier les contrastes, ça veut dire pas forcément ombre et lumière, pas du tout. C'est tout ce qui est à l'opposé. En gros, en termes de forme, en termes de couleur, en termes de premier plan, deuxième plan, troisième plan. C'est ça que je veux dire quand je parle de contraste, C'est euh, varier entre guillemets les différences, quoi. Augmenter les différences. Vous prenez quelque chose de linéaire avec quelque chose de rond. Vous prenez quelque chose de noir avec quelque chose de jaune. Vous prenez quelque chose qui est flou par rapport à quelque chose qui est net quelque chose qui est grand par rapport à quelque chose qui est petit, etc., etc., vous avez compris. Je vous présente ma première photo là-dessus. Je vous l'explique et j'enlève ma tête juste après. Euh, le contraste ici, il est tout simplement bah, avec la lumière, bien évidemment. On voit la magie de la lumière euh, du soleil sur une simple feuille euh, d'arbre euh, lorsqu'elle est illuminée et non. Vous voyez la différence, vous allez voir vraiment beaucoup plus la différence entre une zone qui est éclairée et une zone qui n'est pas du tout éclairée. Et on a Eric qui vient d'arriver. Salut Eric, bienvenue. Euh, du coup, regardez, je m'enlève. Voilà, vous avez cette feuille euh, qui, on ne voit pas forcément tous les détails lorsque la lumière n'est pas dessus. Et lorsqu'il y a de la lumière, on voit vraiment des détails de ouf. On voit toutes les rainures l'endroit les où passer les sèves on a les gros les gros canaux entre guillemets les plus petits canaux enfin voilà et donc c'est ce contraste là que j'ai voulu mettre en avant et c'est tout de suite ça qui m'a sauté aux yeux bien évidemment que j'ai ouvert au maximum mon diaphragme ça m'a permis d'avoir un, un bokeh que je trouve très joli derrière un flou d'arrière-plan très joli et le petit plus mais là je vous l'avoue clairement qu'il n'était pas voulu c'est ce petit trait blanc que vous voyez le long de la feuille qui est en fait à la limite de la lumière qui tape dessus qui en plus va, euh, qui va, qui va, qui va euh, confirmer le contraste entre le flou arrière et la ligne de démarcation de la feuille. On a l'impression qu'on a pris un feutre blanc et qu'on a fait un trait le long de cette feuille. Donc vous voyez en fait ce contraste là, voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager. Ce contraste. Alors c'est un des contrastes, hein, mais euh, c'est ça en fait qui m'intéressait. Pourtant, on a un flou d'arrière-plan qui est vert, donc vous voyez, on ne joue pas du tout un contraste de, de, de couleur là. On, on, c'est vraiment une question de structure et de lumière. J'espère vous avoir appris quelque chose. Je vous montre la deuxième photo que je souhaite vous montrer avec le côté, euh, le côté euh, astuce. Là, euh, je pense que vous l'avez compris. Le contraste ici, il est principalement avec les gouttes d'eau et la structure. On est sur une feuille de chou. On est simplement sur mon, euh, dans mon potager. C'est une grosse feuille de chou. C'est euh, la rosée du matin. Voilà. Et sachez, voilà, si vous avez un potager, pour vous entraîner aux photographies de nature toute simple, c'est une merveille. En fonction des saisons, ça vous donne des changements, des contrastes de forme, de couleurs très simples. Et euh, les fruits et légumes, euh, et les feuilles et les, et les, et les, et les fleurs euh, interagissent très très bien avec la lumière. Et en plus, il y a des insectes. Et donc sachez que, voilà, une, une feuille de chou, euh, c'est très photogénique parce que la rosette du matin reste bloquée dessus. Alors je m'enlève. Euh, voilà, je la trouve très sympa celle-ci parce qu'en fait vous avez la grosse maman, on va dire, euh, euh, goutte d'eau avec toutes les petites. Euh, J'ai fait principalement la mise au point sur la goutte, bien évidemment, euh, la grosse goutte. Mais euh, vous voyez en fait le contraste qu'il y a entre toute cette famille de gouttes, on va dire ça comme ça, et la structure de la feuille. Vous voyez, on a varié en fait les contrastes qui sont plutôt là sur la forme, il y a la couleur, mais c'est plutôt euh, la structure, la goutte d'eau par rapport à la feuille, qui fait que et ça, c'est euh, assez riche et j'en suis assez content de ça. Tout simplement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette photo-là. Euh, au ça donne du volume à la photo. Le, 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 à la photo, le. Euh, mais oui, ça donne du volume à la photo aussi. Voilà, j'espère que ça vous a appris quelque chose. Ça, au niveau du contraste, c'est quelque chose que vous utilisez souvent ou pas du tout, ou inconsciemment peut-être, je ne sais pas, à votre avis. Euh, Donnez-moi quelques exemples peut-être. Si on met ça sur les animaux, c'est souvent les couleurs hein, qu'on utilise. Euh, le renard par rapport au champ, euh, donc l'orange par rapport au roux. Si vous avez le martin-pêcheur, par exemple, qui va fortement so sortir d'un tronc d'arbre marron. Le, le chevreuil est plus compliqué parce qu'il est lui-même marron, donc il faut avoir un fond relativement vert ou jaune derrière, sinon c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, l'écureuil va bien ressortir également, le rouge-gorge, le chardonneret va bien ressortir. Le merle si on parle des contrastes de couleurs, c'est mieux d'avoir un fond euh, euh, clair derrière. Donc vous voyez en, en travaillant tout ça, c'est plutôt intéressant en amont parce qu'on peut prendre toutes ces photos nature là, toutes les astuces que je vous donne, on peut les mettre dans l'animalier. Si vous savez ce que vous allez photographier, pensez aussi à ces astuces-là, ça peut ça peut fonctionner aussi. Rando qui nous dit euh, astuce 4, j'ai ai jamais vraiment pensé, c'est top comme photo. Merci Rando, c est, c est, ça me fait très plaisir. Ouais, j'aime beaucoup cette astuce-là, elle, elle est topissime. Donc voilà, on continue sur les animaux. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre euh, Donc le rouge-gorge, ok. Euh, bon, les insectes, forcément, dès que vous avez un papillon ou quoi que ce soit, si le papillon est plutôt blanc, euh, essayez d'avoir quelque chose derrière qui est plutôt foncé. Et les papillons, les insectes, ce qui marche bien, ce qui marche bien, c'est d'avoir des contrastes par rapport à leur taille. <laughs> Et leur forme je m'explique si vous avez un insecte qui est plutôt allongé plutôt allongé euh, donc euh, fin et allongé essayez de prendre une plutôt une plutôt une photo derrière avec quelque chose qui sera uni comme ça il va bien ressortir si vous avez plutôt un animal insecte un qui est plutôt compliqué style une araignée c'est le même principe avoir quelque chose d'uni derrière est plus simple et va plus la faire ressortir <coughs> pardon pourquoi Puisqu'elle est compliquée, une araignée c'est compliqué, il y a son corps, il y a ses pattes, donc vous risquez en fait de louper des éléments de l'animal, si jamais il y a une feuille, une structure, sauf si c'est fait exprès. Alors que si le fond est uni et simple, tout son corps et tous ses éléments vont ressortir. Qu'est-ce que vous racontez de beau euh, jolie la petite goutte translucide qui pendouille sur la feuille. Ouais, c'est un kiff ça. Hein j'utilise beaucoup le flou au premier plan et à l'arrière-plan pour faire ressortir mon sujet ouais ce qu'on appelle le bokeh titi exactement qui signifie flou en japonais tu as tout à fait raison d'utiliser ça des fois c'est bien de ne pas le faire des fois c'est bien de le faire mais bravo à toi si tu y arrives c'est cool focal j'ai une photo de rouge rouge george sur un fond gelé alors je serais curieux focal que tu montres <laughs> c'est le moment foutage de gueule je serais, je serais content que tu nous montres une photo de rouge george s'il te plaît, euh, Focal, ça me ferait fortement plaisir. On imagine que ce soit George Washington ou tout rouge ou je ne sais pas quoi. J'arrête de deviner, mais <laughs> j'aurais pu la faire, celle-là. Euh, Jérôme, jamais fait gaffe au contraste. Très belle photo. Jamais réussi à avoir un Martin Pêcheur. Moi non plus, euh, Jérôme, mais aussi, aussi parce que je ne l'ai jamais pisté. Je sais où il y en a, je ne l'ai jamais pisté, mais ce n'est pas forcément très compliqué à faire. Fabo pix a fait une magnifique vidéo là-dessus pour t'aider à, à, à le découvrir. Allez je bois, je bois une petite goutte d'eau, les amis, parce que j'ai ma voix qui est en train de s'enrouer. J'attends ta photo en focal et, euh, et on enchaîne. On a fait notre astuce. Hop, là, numéro 4 avec les contrastes. On va arriver sur. J'enlève ma toté Une sorte que vous la voyez une dernière fois. Euh, comme il se la raconte, le gars, avec ses photos euh, Allez, astuce. Numéro 5. Numéro 5. L'astuce numéro 5, les amis, c'est donner de la profondeur. Donner de la profondeur, c'est quelque chose que j'utilise pas souvent. Cette astuce-là, je l'ai piquée chez les copains. J'aurais qu'une photo à vous présenter parce que j'en ai pas énormément où je montre, où je donne de la profondeur. Euh, donner de la profondeur, c'est pas forcément que utiliser euh, une longue ouverture, une grande ouverture. Pour rappel, hein, par rapport au triangle d'exposition, quand vous ouvrez grandement, vous avez un petit chiffre, ça vous donne un grand bouquet derrière un grand flou. Quand vous fermez votre diaph, donc vous augmentez votre chiffre, hein, f13, f14, vous allez avoir une zone de netteté qui sera très grande. Donc sur votre photo, il y a beaucoup de choses qui seront nettes sur la photo. Okay. Et donc quand vous donnez de la profondeur à vos photos nature, souvent c'est quand on fait du paysage et qu'on a envie de donner un grand élan au sujet qui est dans ce paysage. C'est-à-dire que vous avez envie de donner des kilomètres euh, à votre photo, entre guillemets, en profondeur. On imagine que la photo qui est tout, l'arbre qui est tout au fond, la, la montagne qui est tout au fond est très très loin et que la brindille qui est pile poil devant est très très proche. Voilà, on a envie de donner un chemin, une aventure. C'est ça qu'on appelle euh, donner de la profondeur. Alors j'en ai qu'une seule à vous proposer. Je ne fais pas beaucoup de photos de paysage, hein, c'est pour ça. Je suis sûr que vous en avez plein à la maison. Voici euh, la photo et euh, je vous explique comment je l'ai faite et euh, je vous la présente juste après. C'est un prêt qui n'est pas très loin de chez moi et euh, tout de suite j'ai eu l'idée de la faire euh, en noir et blanc de toute façon. Euh, je souhaitais en fait montrer euh, les deux sujets relativement petits. Cette photo je l'ai appelée euh, euh, L'enfant regardant l'oiseau. Vous allez voir en fait c'est mon fils qui regarde le faucon qui est en train de partir. Les deux sujets sont très petits et j'avais envie de montrer l'immensité de la zone par rapport aux deux petits sujets. Alors, euh, je ne suis même pas sûr d'ailleurs que le faucon vous le voyez, hein, mais c'est la petite tâche qui est en haut à gauche. On ne voit pas que c'est un faucon. Et mon fils, en fait, je le cache. Il est juste là. Voilà, je souhaitais. Euh, Ce n'est pas fait exprès du tout. On se baladait et puis j'avais mon appareil photo. Et puis c'est arrivé, donc j'ai pris la photo. Et j'ai une grande chance d'avoir en fait, fait euh, une, une ouverture en fait, vraiment euh, très petite pour que la profondeur de champ. Euh, soit vraiment très très grande et que la zone de netteté soit, soit, soit grande. On voit même les vaches au fond, vous voyez. Alors je ne sais pas si vous vous ressentez ça, mais euh, c'est grand. Hein. À, à partir du moment où là où je suis, où je prends la photo, jusqu'au près tout au fond où il y a les poteaux, il y a l'arbre solitaire et il y a les vaches, euh, ouais, ouais, je peux vous dire qu'il y, 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 y a pas mal de chemins à pied là en fait. Hein. Voilà, donc euh, c'est ça en fait qu'on appelle donner de la profondeur. Et souvent c'est quand on va jouer avec euh, les plans. Premier plan, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan. Et lorsque vous allez donc fermer votre diaphragme à partir de allez, F11, F13, F14, F17, etc., 18, 22, etc., sans aller jusqu'à la diffraction. Mais ça vous permet vraiment d'avoir une zone netteté très grande. Et si vous êtes sur quelque chose qui est profond et qui monte un peu, ou vous, si vous êtes en hauteur profond et qui descend un peu, voilà, en donnant en fait cette ouverture-là, ça va vous permettre de donner de la profondeur à votre sujet. Peu importe si le sujet soit au premier, deuxième ou troisième plan, ça vous permettra quand même de faire quelque chose de sympathique. Alors, c'est bon pour la profondeur, vous l'avez déjà fait Vous faites des photos de paysage, vous Ou pas Ou pas spécialement Pas spécialement En ce temps là il y a Thibaut qui me parle sur Instagram pendant que vous me répondez je vais aller voir ce qu'il me dit Thibaut qu'est ce que tu me racontes Thibaut Thibaut nous dit tu pourrais le mettre sur le chat hein, Thibaut n'hésite pas hein. euh, j'aime bien essayer de mettre en premier plan de la végétation pour ajouter de la couleur sur la photo sans trucage prise au ras du sol ou dans les branches ok Thibaut utilise en fait euh, les flous de premier plan de la végétation pour euh, contraster avec euh, l'animal, entre guillemets. Il me montre une photo d'un merle et d'un brocard. Effectivement, Thibaut, c'est une bonne idée. C'est euh, une bonne chose à faire éventuellement, exactement. Euh, titi, ah bon, c'est un faucon, je croyais à une tache sur mon écran. <laughs> le gars, il est en train de frotter cette tout là J'ai essayé de le nettoyer. <laughs> J'étais en train de me dire, il va de le Et c'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû faire des photos d'écran cassé. Vous aurez tous eu le somme après. Coucou à tous. Salut JD. Bienvenue JD. Ça, c'est mon copain JD. Juste un petit bonjour en passant bonne soirée à tous. Et on se croise dans les commentaires du replay. C'est très gentil, JD. Euh, je te dois toujours un cours, JD d'ailleurs. JD. Je te dois toujours un cours mon ami, judé qui m'a fait un grand cadeau, qui m'a fait un don. Et euh, comme ça, euh, juste pour me soutenir. Et ça m'a fait un grand plaisir. Donc grâce à lui, euh, j'ai pu m'acheter des, des petites impressions photos. Et donc, euh, je lui offre un, un, un coaching d'une heure. Donc bien évidemment, dit, on se rejoint. C'est gentil d'être passé. Merci beaucoup. Thibaut. <coughs> Excusez-moi. <coughs> on peut ajouter des photos dans le chat Non, je pense pas. C'est des liens, euh, Thibaut. Des liens. Pas des photos en direct. Allez, on enchaîne les amis. Je pense que vous avez compris pour la profondeur. Astuce numéro 6. Varier les objectifs. Varier les objectifs, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous avez la chance d'avoir un parc d'objectifs, il est intéressant de pousser les limites de ces objectifs. Ne pas forcément faire toujours de l'animalier avec le 150-600. Ne pas forcément faire toujours que du portrait avec votre 90, ne pas forcément faire que du paysage avec votre 35 mm. C'est ça que ça veut dire. Euh, et euh, souvent, il est assez connu en exercice de se forcer en voyage, en soirée, à un moment particulier, de prendre l'objectif auquel vous êtes le moins habitué pour faire le type de photo que vous souhaitez faire. Et euh, ça vous fait progresser, mais d'une dinguerie, mais d'une dinguerie, d'un truc de fou. L'exemple parfait, c'est que le premier achat que j'avais fait, mais moi, c'était mon, mon téléobjectif, le 150-600, que vous voyez souvent euh, bah, dans les vidéos avec qui je fais des photos euh, tout le temps, etc., quoi, pour l'animalier. Et, euh, et euh, j'ai euh, donc été habitué avec du 150 jusqu'à 600. Et lors d'un départ en vacances, en fait, je me suis fait un petit plaisir et j'ai pris un 50 mm. Et donc, je suis parti en vacances qu'avec un 50 mm. Et ça m'a... Pousser à une créativité de dingue parce que vous allez devoir bouger vos fesses et repenser votre façon de faire des photos. Et c'est comme ça, que je peux vous dire que vous avez votre créativité qui pousse énormément. Ça veut dire ça, varier les objectifs. Donc du coup, qu'est-ce que je vous présente La photo du début du live. Je vous l'explique. Cette photo du début du live euh, est dans un morceau de bois. Le bois est quelque chose qui me... Voilà, qui, me, qui me fait halluciner souvent quand on prend le temps de l'observer. Et euh, c'est cette structure euh, sur ce morceau de bois euh, qui m'a interpellé, que j'ai souhaité prendre en photo. Et cette photo, elle a été prise euh, au 150-600. Au 150-600, j'ai pris ça de très 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 loin, euh, alors qu'on pourrait croire que c'est une photo plutôt euh, macro, quoi. Et pas du tout. Et ça m'a permis de, de, de créer bah, le petit flou d'arrière-plan que vous voyez à droite, que vous voyez à gauche. Et euh, j'ai vu, du coup, une fois la photo prise, des éléments bah, hyper intéressants euh, qu'on n'aurait pas vu, en fait, si je n'avais pas pris ce 15600. Si j'avais pris le 90, si j'avais pris le 50, si j'avais pris autre chose, j'en sais rien. Euh, mais ça m'a vraiment bluffé. Et donc, ça veut dire ça, varier les objectifs. Essayez de faire du paysage avec votre 15600. Bien évidemment qu'on peut, ou avec votre 400 mm, avec votre 300 mm, bien évidemment que vous pouvez faire du paysage avec ça. Essayez de faire euh, de l'animalier avec un 50 mm, bien évidemment que vous pouvez. Bien sûr, vous allez insérer un animal dans un paysage. Et ça peut être magnifique. Ça veut dire ça, varier les contrastes, comme, varier les objectifs comme astuce. C'est aller au-delà des stéréotypes et de créer. Euh, des difficultés. Vous allez sortir en fait de votre zone de confort et ça va vous permettre tout simplement d'être créatif et de vous vous déplacer et d'essayer d'aller combattre ces contraintes pour essayer de faire la photo que vous souhaitez. C'est ça qui est hyper intéressant. Qu'est-ce que vous me racontez? Euh... Tito Méric, je ne t'avais pas dit bonjour Tito, salut Tito. Équipé Olympus, j'ai toujours mon sac et un billboard au rando, j'ai mes deux boîtiers avec deux différents objectifs en fonction de l'humeur et des opportunités. Ouais, c'est une autre solution aussi, exactement Tito, d'avoir dans ton parc de quoi faire, de quoi faire en fonction des, des éventualités. C'est intéressant de faire ça, mais euh, l'exercice que moi je propose est un tout petit peu différent, c'est euh, de partir en contrainte, c'est-à-dire que vraiment s'obliger à n'avoir... Que ça ou n'utiliser que ça et d'utiliser donc l'objectif pas du tout pour ce qu'il est euh, censé faire. Tu vois, tu prends un 150-600, tu vas faire un photo, une photo de paysage par exemple en 600 mm. C'est bien évidemment possible, c'est ça que je voulais dire en fait. Mais bien évidemment, qu'il également ton astuce est très pratique dans le côté, euh, dans le côté euh, variation des objectifs. Je vous montre la deuxième euh, photo que j'ai prise avec, euh, bah, je vous la remontre une dernière fois, mais avec un, un autre. Hop là, voilà. Alors, là, cette photo-là, il y avait un, un, un trait de lumière qui tombait sur cette souche d'arbre, cet arbre qui était tombé, hein, qui était mort, et puisque là, on est proche de ses racines en fait, hein, et euh, dans un marais. Voilà. Et donc, cette photo-là, je l'ai pris euh, également au 15600. Hein. Euh, J'aurais pu vous mettre d'autres photos, un hein, prix un peu bizarrement, mais. C'était euh, intéressant de la faire au ans donc je suis vraiment très très loin. J'ai euh, pas forcément ouvert énormément, parce qu'on voit que c'est pas forcément hyper flou derrière. Euh, alors que j'aurais pu me rapprocher, j'aurais pu euh, avoir un peu plus de marée, j'aurais pu euh, avoir un peu plus ou moins d'arbres, ou me concentrer que sur l'arbre, ou que sur le morceau de lumière, ou que sur. Enfin bref, vous voyez, on aurait pu faire plein de choses. Euh, mais voilà, j'ai préféré utiliser ce, cet objectif-là pour pouvoir le faire. Euh, et je trouvais ça intéressant ces structures là, je vous le montre. Je trouvais ça intéressant ce jeu de lumière là. Pour l'instant là, je vous lis hein, les amis. Euh, Daniel, j'ai essayé sans le vouloir l'inverse. 6h30, sortie macro face à face avec un brocard à 20 mètres. <laughs> Pas pu être créatif. Ah Daniel, tu sais, ça peut être intéressant de... De... Alors tu avais quel objectif par contre Daniel Macro, ok. Euh, alors ton objectif macro il est purement macro, tu peux pas le passer euh... tu peux pas le passer en portrait. Le 90 mm que j'ai. Euh, le tamron 2.8. Je ne sais pas toi. Hein, moi il a la possibilité du coup euh, en fonction des plages, je le passe soit en macro tout en bas, soit en fait je le passe en 0.5 infini, soit je le passe en full. Et quand je le passe en full, bah, ça reste un 90 mm classique. Donc après, toi, ça t'avait peut-être qu'un macro, euh, macro, macro. Et effectivement, dans ce cas-là, c'est compliqué. Euh, Tito, j'ai bien compris de explication et pratique ce que tu dis. Eh bien, c'est gentil, Tito, merci beaucoup. Euh, certes, pas facile pour toi, Daniel. Ouais, c'est clair, c'est frustrant, c'est toujours frustrant. C'est toujours frustrant. <coughs> Excusez-moi. Je pense que vous avez compris pour l'astuce numéro 6. Euh, pour varier les objectifs, euh, faites-le. Je ne sais pas si vous avez plusieurs objectifs à la maison, faites-le, faites-l'un délire. Si vous n'avez pas envie de gâcher toutes vos photos pendant une période donnée, faites-le uniquement euh, sur une soirée, sur une après-midi. Amusez-vous avec vos animaux, avec vos enfants, quoi que ce soit. Je peux vous assurer que ça crée vraiment de la, de la créativité. On va arriver donc à l'astuce numéro 7. Oula, tac. Astuce numéro 7, noir et blanc. Noir et blanc. Ok, Daniel, le 100 mm avec la lentille close-up. Ok. Astuce numéro 7, le noir et blanc. Ouais, il y a souvent une hésitation à, à, à faire du noir et blanc. Soit on adore le noir et blanc et on a tendance à en faire trop et à tout mettre au noir et blanc. Soit on en fait très peu et on est, on est, on est épaté de ça. On a Fiche qui passe. Salut fils salut, bienvenue. On a la septième astuce, Fiche. Euh. Le noir et blanc, moi je vois ça de deux façons différentes. Soit vous prenez la photo, vous ne savez pas qu'à la post-production, vous allez la transformer en noir et blanc et vous êtes épaté. Soit, et c'est là où c'est le plus intéressant, vous savez qu'en prenant la photo, vous allez faire du noir et blanc. Et c'est là où vos photos seront les plus réussies en noir et blanc. Parce que vous irez chercher des contrastes, vous irez chercher des zones d'ombre, vous irez chercher vraiment une créativité et une expression. <coughs> je vous montre quelques exemples du coup. Pour illustrer tout ça, première photo que je souhaite vous présenter, c'est une photo ratée. Celle-là, je suis dans la première catégorie, ce que je vous ai expliqué, je ne savais pas qu'en prenant cette photo, j'allais la mettre en noir et blanc. C'est lors de mon affût rouge-gorge. Pour ceux qui me connaissent et qui ont regardé la vidéo, j'ai fait un affût rouge-gorge, c'est une des vidéos YouTube où j'explique comment photographier le rouge-gorge, comment le trouver avec son champ, etc. J'ai fait pas mal de photos à ce moment-là. Je suis désolé, j'ai vraiment ma voix qui part en live. Et euh, il y en a eu des loupés, bien évidemment. Hein, sur les 200, 250 photos que j'ai prises, bien évidemment qu'il y a eu des loupés. Et cette loupée-là, quand je l'ai observée, j'ai senti un truc artistique. Et je me suis dit, il y avait quelque chose, il y avait moyen de faire quelque chose. Si cette photo, je vous la remets en couleur normale, elle est horrible, elle est dégueu, elle est inexploitable. Là, je l'ai mis avec quelques modifications, pas grand-chose. Et je trouve que du coup, elle a vraiment de la gueule. Je trouve qu'elle elle a un petit cachet. Je ne sais pas vous l'expliquer, mais moi elle me parle. Moi elle me parle vraiment vraiment. Ça, voilà, il y a le morceau de boulot qui est en dessous, qui est aussi dans le noir et blanc. Euh, on ne sait pas si c'est une vieille photo, on ne sait pas s'il a quatre ailes, il n'a qu'une patte, on ne sait pas trop. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et du coup d'une photo loupée, ça devient une photo réussie. En tout cas pour moi, moi elle me parle. Pas obligé de parler à tout le monde. D'ailleurs ce serait intéressant de me dire si elle vous plaît ou pas dans le chat. Dites-moi si elle vous plaît. Euh, mais moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce ce petit oiseau. Tito qui me dit « C'est excellent de varier et passer en noir et blanc, mais de l'émotion ou de l'intemporal. » Ah, je connaissais pas ça. Tu vois, le côté intemporal. Autant j'étais figé sur l'émotion, autant l'intemporal, j'ai pas fait attention. Non, ah, tu as raison, je pense. C'est une bonne chose. Donc ça, c'est votre première photo que je vais utiliser. Merci, Celle-là, ma celle tu m'as préférée photo. C'est ta photo préférée, mon cœur. Merci, mon cœur. En direct, ma petite puce qui me ramène un, un petit jus parce que j'ai la voix qui tombe. C'est trop adorable. Vous avez entendu ma petite puce, ma dernière. Euh, donc voilà, voilà la photo. Vous me dites si ça vous plaît ou pas. Très beau, Jérôme qui me dit, ça te plaît Jérôme Les autres, dites-moi, on est 26 là. Ce serait vraiment intéressant, euh, s'il vous plaît, de me dire si ce genre de petit truc-là vous plaît. Très beau. Et Daniel qui me dit, perso, j'aime beaucoup. Ok. Daniel également. Ok, c'est très gentil. Euh, là, je vous montre allez, la deuxième photo. Vous allez rentrer un petit peu dans mon intimité ce soir après avoir entendu ma petite puce. Je vous montre mon loulou, mon chien, mon petit chien. Et je vais vous expliquer pourquoi euh, je vous montre cette photo-là. Cette photo-là, euh, elle était fait exprès. Donc là, on est dans, plutôt dans la deuxième catégorie. Elle est fait exprès en noir et blanc. Quand je l'ai pris, je savais que j'allais la mettre en noir et blanc. Pourquoi Mon chien, en fait, il est naturellement tout noir. Il se prénomme Dobby, comme l'elfe de maison dans Harry Potter, avec ses oreilles. Là. Euh, il est noir, avec un petit peu de couleur plutôt beige, marron, clair, etc. Et derrière, vous avez de l'herbe. Ce que vous voyez derrière, dans le flou, c'est de l'herbe, principalement. Et donc, la mise au point a été faite sur ses yeux. Et du coup, euh, je savais qu'avec l'herbe derrière, on ne verrait pas forcément aussi bien mon chien, on ne verrait pas forcément ses yeux aussi bien. Etc. Là, le contraste, il est parfait. Et je trouve que du coup, ces couleurs qui sont très très sombres, c'est du noir, 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 hein, apparaissent pas si noir que ça. Et on voit le détail, en fait, dans ses poils. On voit le détail dans, dans ses yeux, dans sa langue, dans ses dents. Et euh, je trouve ça vraiment sublime. J'aime beaucoup aussi cette photo-là. Je vous présente mon petit chien qui s'appelle Dobby. Qu'est-ce que vous me racontez tous euh, Tito, même en couleur, le boulot est en noir et blanc, jolie photo Merci beaucoup Thibault. On sent la photo pas volontaire mais ça passe en effet Ouais tu parles du rouge-gorge, ouais, exactement Grégory, salut le Greg Bien, euh, euh, oh, Je t'ai déjà dit bonjour tout à l'heure J'aime beaucoup, merci Greg Rando, le noir et blanc, tu aimes beaucoup Rando Trust, très joli Michel, très intéressant comme d'hab Et Tito, un beauceron noir et feu Alors, euh, alors tu parles peut-être de ton chien Tito Alors moi c'est un euh, royal bourbon C'est un chien qui vient des îles euh, un bâtard des îles en fait tout simplement et euh, j'en profite pour vous sensibiliser un petit truc bien évidemment si vous pouvez adopter plutôt que d'acheter et lui on l'a adopté en fait dans une association qui euh, défend les chiens qui viennent de l'île de la réunion puisque euh, là bas malheureusement il y a du trafic de chiens errants ils sont plus de 4000 sur l'île à, euh, à errer et ils se reproduisent comme ça très facilement et ils sont malheureusement utilisés pour la pêche au gros alors, je rentrerai pas dans les détails, hein, mais imaginez que ça peut rapporter énormément euh, à, à n'importe qui qui a un chien et lui donner, en fait, pour la pêche au gros. Donc, ils le blessent, ils le mettent dans un hameçon et il ne à pas pour les requins. Euh, donc, voilà, c'est absolument dégueulasse. Donc, on a voulu aider un petit loulou à revenir de la Réunion. Donc, mon chien, c'est un réunionnais. Voilà, voilà. Euh, un petit créole, un royal bourbon. Ouais, c'est ça <laughs> Tu vas me faire regretter d'avoir jeté des photos. Ah, je suis désolé, Seb, non, c'est pas le but, mais euh, mais souvent, moi, je me pose la question. Avant de jeter une bonne fois pour toutes les photos, je me pose toujours la question. Ma remarque, c'est pas grave, tu auras appris un truc hein, après euh, après à voir si tu le fais ou pas. Hein. Il y en a qui sont vraiment irrécupérables. Hein. Thibaut, il te vole souvent tes chaussettes. <laughs> ouais, c'est ça, ouais, pour avoir, pour être libre, il me vole mes chaussettes. Euh, il adore les chaussettes, c'est ça. Sérieux, c'est glauque. Ouais Jérôme, c'est glauque, ouais. c'est Mais C'est pour ça que je ne veux pas trop insister pour ne pas plomber l'ambiance, mais euh, enseignez-vous, vous allez voir, c'est hallucinant. Euh, c'est une association qui s'appelle Patoune des îles, euh, dans le nord de la France. Et il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, donc euh, si jamais vous voulez faire un beau geste et avoir un chien, peu importe où est-ce que vous l'adoptez, hein, moi c'est pour... C'était quelque chose qui nous a touché, mais adoptez plutôt qu'acheter. Vous sauverez, vous sauverez un animal. Euh, c'est un bon et beau geste pour eux, nos amis les animaux. Exactement, Twinnie bravo, merci pour lui. C'est gentil, Twinnie Après, tu sais, c'est lui qui nous a choisi aussi. Hein. Allez, je vous montre la dernière noir et blanc. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Voici la dernière noir et blanc que je vais vous montrer. Donc, elle fait aussi partie de la catégorie. J'ai pris la photo et je savais que j'allais la mettre en noir et blanc euh, puisque euh, quand j'ai pris la photo, je savais en fait l'abeille qui est là. Euh, donc c'est une butineuse. Euh, elle avait bizarrement pas beaucoup de couleurs. Ses couleurs n'étaient pas très ressorties. Il n'y avait pas beaucoup de jaune-orange qu'on connaît tous. Les rieurs, on les voyait pas beaucoup. Et je trouvais que le contraste en fait avec mon cabanon, là, c'est un morceau de mon cabanon, euh, était plutôt sympa. J'ai réussi à la prendre en photo au moment entre guillemets où elle s'est posée pile poil à l'angle langue. Je la trouve très sympathique. Et euh, du coup, je souhaitais plus tard la retoucher en noir et blanc parce que je savais qu'à ce moment-là. En touchant uniquement le contraste et, 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 euh, et la saturation, euh, je pouvais euh, toucher ça et en fait obtenir cette photo-là. Je vous la montre, en gros, ça donne ça. Et euh, je trouve ça plutôt sympathique comme photo. Elle, elle ressort bien. On pourrait l'utiliser aussi, vous savez, dans les photos des contrastes, parce qu'on a cette, cette euh, abeille qui est plutôt en forme de boule par rapport à euh, la dureté des traits de la planche euh, du cabanon. Mais voilà, en noir et blanc, je voulais la montrer parce que c'est plutôt... Euh, L'intérêt pour moi, c'était plutôt de la mettre en noir et blanc au départ. Je vous lis. Euh, Dan. Salut, Dan. Je t'avais pas vu encore, je crois. Bonsoir à tous. Très joli, expressif, tes photos. Ouais. Euh, tu parles de celle de photo de mon chien, certainement. Ouais, elle est très expressive, même beaucoup. Et il y a Oscar qui est là. Salut, Oscar. Ça me fait plaisir que tu sois là. Dobby, une vraie star. <laughs> il t'aime bien, en plus, Dobby. Voilà. On a fait le truc côté noir et blanc. Donc voilà les conseils, astuces, numéro 7 que je vous donne. 1. Vous prenez une photo, elle est ratée, euh, utilisez le noir et blanc, ça peut fonctionner. Deux, vous prenez une photo, vous savez que vous allez la mettre en noir et blanc, parce que vous allez faire ressortir des contrastes, que ce soit des contrastes de forme, de couleur, euh, que ce soit des contrastes de, de proximité. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le noir et blanc dans les retouches. Et pour ceux qui ne font pas de retouches photo, c'est vraiment pas compliqué. Euh, les, les boutons noir et blanc, ça se fait automatiquement, c'est vraiment pas, vraiment, pas, vraiment pas compliqué. Thibault, y a-t-il un intérêt à prendre la photo directe en mode noir et blanc Ou alors il vaut mieux la faire en post-traitement Je t'avouerai que je ne le fais qu'en post-traitement. Il y a certains euh, appareils photo qui ne font que du noir et blanc, dans les, dans les appareils photo très très haut de gamme, je crois que c'est chez Fuji qui fait ça, euh, où tu as les objectifs qui font directement du noir et blanc. Euh, tu peux le prendre, bien évidemment, sur la plupart des objectifs, on a cette option-là. Je t'avouerai que je ne l'ai jamais testé, ça pourrait être intéressant. Euh, comme c'est du paramétrage à faire, tu vois, quand tu as envie de faire une photo et que tu es plutôt dans l'instant, il faut aller vite la plupart du temps. Donc je t'avouerai que euh, je ne me suis jamais dit, tiens, je vais prendre une photo noir et blanc, je vais d'abord me paramétrer l'appareil et je vais aller chercher une photo noir et blanc. Parce que c'est souvent de l'animalier ou, ou de la macro ou des flots, etc. Ça bouge relativement vite, donc je pense plutôt post-traitement. Après, je pense que les deux sont possibles. Rando, elle semble brillante par rapport au décor plus mat. Ah c'est pas con ça, Rando. C'est une bonne, une bonne idée de contraste, le mat par rapport au brillant, ouais, tout à fait. Et Truss qui nous dit, que penses-tu des photos de noir et blanc avec une touche de couleur Ouais, j'aime beaucoup. Euh, c'est très sympa, ça, je m'y suis jamais vraiment intéressé. Euh, c'est simplement par rapport à, à mon côté artistique, qui pour l'instant ne me parle pas trop. Ça se fait, ça se fait énormément. Il y a Adrien Fabre qui fait, qui fait ça également euh, euh, beaucoup avec ses photos dans la neige, où il va mettre beaucoup, beaucoup de blanc en fait autour. Mais toi, tu me parles vraiment d'une touche de couleur. Jamais fait, j'ai jamais fait. Je l'ai vu, c'est plutôt sympathique. Euh, ça dénature un peu le naturel, je pense, si on a envie de faire des photos dites nature. Mais ça peut être très sympa à faire, je pense, pour une expo, ou pour une thématique un peu particulière. Allez, les amis, on enchaîne. On arrive sur l'astuce numéro 8. Il ne nous reste plus que 3 astuces. Tac. Astuce numéro 8 Nouvelle zone. Les nouvelles zones, qu'est-ce que ça veut dire C'est très simple bah, c'est bouger. On a tendance, surtout lorsqu'on fait du pistage, à être dans des zones où on connaît les animaux. Et c'est normal, hein, c'est une bonne chose. Mais lorsque vous faites des photos nature, je vous conseille euh, de découvrir d'autres zones. Parce que lorsque vous faites des photos de nature, vous êtes moins focalisé sur les animaux. Logiquement, vous n'êtes pas là pour photographier des animaux. Nature, ça va être, comme on l'a dit, du végétal, des arbres, un rayon de lumière, une fleur, un tronc d'arbre, etc. Du coup, euh, on ne va pas forcément être dans le dérangement ou dans le faire attention au dérangement. On va toujours faire attention, bien sûr, mais on ne va pas se focaliser sur les animaux. Du coup, vous allez faire attention à plein d'autres choses. Donc vous, il faut, voilà, c'est vraiment un truc que je vous conseille, c'est de prendre un nouveau morceau de forêt. C'est de prendre euh, une géolocalisation que vous ne connaissez pas du tout. Si vous êtes habitué aux forêts, allez dans les champs. Si vous êtes habitué dans les champs, allez dans la mer. Si vous êtes habitué à la mer, allez à la montagne. Euh, allez à côté de l'eau, Allez euh, dans, dans, à côté d'une grotte. Enfin voilà. Et euh, alors là, on n'est pas du tout dans la côté nature, bien sûr, mais une zone qui est géniale, par exemple, c'est dans vos manifestations de famille. Un anniversaire. Une fête. Une soirée, un mariage, n'importe quoi, même si c on s'en fout. L'intérêt, en fait, c'est de changer. À partir du moment où vous allez changer, vous allez changer votre œil et votre œil va être attiré par des choses complètement différentes. Je vous donne quelques exemples de photos que j'ai faites avec des nouvelles zones. Je vous l'explique. Euh, c'est ce fameux moment où j'ai pris mon 50 mm pour partir en vacances. Moi, vous savez, je suis dans l'Oise, hein, donc il y a pas beaucoup, il euh, a beaucoup d'eau, mais c'est pas de l'eau comme la mer euh, ou, ou l'océan. Et donc là, on était en vacances près de la mer, et j'avais mon 50 mm uniquement. Et du coup, j'ai fait des photos avec mon 50 mm, et j'ai commencé à découvrir des compositions intéressantes. Alors, il y a la fameuse, la fameuse photo où on met des galets euh, les unes sur les autres sur la, sur la mer. C'est pas ça que j'ai voulu faire. C'est ce bois mort. Qui était sur la plage, qui m'intéressait, et j'ai vu ce petit morceau caillou en plein milieu. Et, euh, et j'ai voulu, certes, faire de photo. J'ai pas du tout fait attention au ciel derrière. Enfin, bref, et c'est quelque chose auquel j'aurais pas fait du tout attention si j'avais pris mon 150-600, par exemple. Ça m'a vraiment euh, sauté aux yeux avec ce 50, tout simplement. Ça vous donne euh, à peu près ça. Elle n'est pas extraordinaire, hein, ça manque un petit peu de lumière, etc. Mais euh, je trouvais l'idée intéressante d'avoir ce petit caillou un petit peu un petit peu caché euh, voilà, dans cet arbre, complètement rongé par le sel et par la mer, avec les galets à côté. Voilà, le fait de sortir de votre zone de confort, géographiquement parlant, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est euh, proche de l'eau, de la mer, de l'océan, ou quoi que ce soit. Au contraire, d'autres photographes animaliers qui ont euh, beaucoup euh, cet aspect-là. Euh, je trouvais ça intéressant en, fait, en zone de confort. Si je vous montre la deuxième, ça c'est une création euh, très personnelle. Euh, encore une fois, avec ce 50 mm, c'était dans les mêmes vacances. Euh, vous avez de la végétation, vous avez l'œil de ma fille qui est derrière. Mais je n'aurais jamais pensé à faire ce genre de photo-là, pareil, si j'étais resté avec mon téléobjectif animalier. C'est une création qui m'est sentie... Voilà, naturellement, j'ai vu les... le quadrillage. Je me suis dit, tiens, viens mettre ton œil là. J'ai créé cette photo-là et je la trouve très, très jolie. Euh, c'est normal, c'est l'œil de ma fille. Mais euh, voilà, je trouvais ça sympa. Et encore une fois, si je n'avais pas sorti de ma zone de confort... Euh, en allant dans une zone que je ne connais pas du tout, dans un nouvel endroit, dans, où je n'aurais pas découvert ce quadrillage-là, etc. Je serais resté dans, dans mon habitude, en fait, hein, quelque part. Et euh, on n'aurait, je pense, euh, pas. Euh, j'aurais pas pu, en fait, faire cette photo-là. Euh, Tito, la photo, la meilleure façon de découvrir un territoire, une commune, un bois, bref, vraiment un autre regard est parfois mieux que certains autochtones. Ouais, c'est le principe tout bête d'aller dans un endroit que tu ne connais pas, ton œil va t'attirer par des choses, et il y a peut-être des gens qui sont habitués à ça, qui vont passer 50 fois devant, et qui ne vont pas le voir tout simplement. Allez, astuce, euh, pardon, je vous enchaîne avec, oui c'est ça, l'astuce la, numéro 9. L'astuce numéro 9, les amis, c'est utiliser des lignes naturelles. Utiliser des lignes naturelles, c'est très simple, et c'est très artistique. L'exemple parfait, souvent, c'est un pont, un ponton. Vous êtes en train de marcher dans un paysage, vous avez un ponton, donc vous avez euh, les poteaux et puis les marches, et puis vous avez ces lignes directrices des pontons. Et bien le fait de faire une photo en utilisant cette ligne directrice peut fonctionner. Si vous prenez une rue, vous avez fait une photo de rue, vous avez une rue avec des maisons très très grandes et bien alignées, voilà le fait de faire des photos de cette zone-là, voilà, c'est ça, utiliser des lignes. Alors quand je dis naturel, là je prends des exemples qui ne sont pas naturels avec, euh, avec le, le pont et, 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 et la ville et la rue. Et voilà, c'est pour vous pour vous illustrer tout ça. Ça vous donne quoi en gros Il y a celle-là, on retrouve encore une goutte. <laughs> encore, encore une goutte. Mais là, la ligne directrice, elle est euh, par rapport à la, à la branche d'arbre. On utilise naturellement la branche d'arbre. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur la règle des tiers, euh, selon vous, la goutte, elle fait quoi là Elle va dans quel sens Naturellement, je pense que vous imaginez qu'elle descend. Elle va vers le bas. Et on utilise donc cette ligne directrice de la branche pour euh, imaginer le mouvement avec le tout petit fil d'araignée, je ne sais pas si vous le voyez, le tout petit fil d'araignée là qui passe, qui est légèrement humidifié. Donc j'ai utilisé la branche pour faire cette photo. C'est ça que je voulais vous donner comme astuce. Une ligne directrice naturelle. Ça peut être un caillou. Tout à l'heure, on avait, euh, on avait euh, le ster de bois avec la punaise. C'est pareil, hein, c'était aussi une ligne naturelle. Si vous avez l'orientation d'une pétale, un trait de lumière. Un trait de lumière. Un trait de lumière peut faire également une ligne naturelle. Si vous avez les tiges d'une fleur, si vous avez le bois d'un animal, euh, si vous avez une plume ou l'aile d'un animal, également ça peut être ça peut être utile de faire une photo en utilisant ça. Euh, ok. Je ne sais pas si ça vous parle ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette astuce là. Je vous la remontre avant d'enchaîner. Voici la lune naturelle. Rando qui nous dit J'utilise souvent ces lignes directrices. Eh ben, bien, c'est bien, c'est que tu as trouvé le truc euh, et que tu as, cette, euh, tu as cet œil. C'est très bien. Tac. Allez, je vous montre une autre ligne directrice. Pouf. Voici une photo que j'aime beaucoup. Je ne connaissais pas du tout cet insecte. Euh, une chryside enflammée qu'on associe souvent en fait à un type de guêpe, c'est absolument hallucinant de beauté. Euh, et j'ai voulu utiliser la rondeur de la stère de bois pour pouvoir en fait la mettre en avant. Il y a le côté contraste couleur, bien sûr. Et je peux vous assurer que je n'avais pas vu toutes ces couleurs en prenant la photo. C'est vraiment en regardant la photo sur l'écran, je me suis dit waouh! Mais quelle richesse incroyable! Elle est pailletée de partout, elle est vraiment. Elle est vraiment comme si elle allait en soirée. quoi Je vous la montre un peu mieux que ça. Donc, cette photo-là, elle, elle, elle est bien, j'aime beaucoup, hein, mais il n'y a pas assez de rondeur. Je pensais vraiment que la rondeur du tronc euh, allait, allait ressortir. Mais on voit quand même ces craquelures. On voit quand même une ligne directrice de craquelures ou alors une ligne directrice avec les champignons. Euh, et on a l'impression, vous voyez tout à l'heure, comme on disait par rapport à la règle des tiers. Euh, que, salut Solal, il y a l'ami Solal qui est là Bienvenue mon ami Solal Ça fait longtemps que je t'avais pas vu, comment tu vas bien Je suis désolé Solal, on est à l'avant-dernière astuce On en a 10, on est à la huitième Donc euh, pour revenir euh, Voilà on... Je voulais, donc, par rapport voilà, à la règle des tiers euh, Là vous voyez C'est sa tête qui est pas tout à fait en haut à, en haut à gauche Je vais essayer de la retrouver Là L'image de la règle des tiers, elle est là Vous voyez, elle est pas du tout dans un coin euh, elle est proche, hein, mais ça passe quand même. Et votre œil est attiré par rapport à la, à la à, aux couleurs. Ça va très bien cela, ça, ça va très bien. Salut. Euh, mais néanmoins, voilà, je pense qu'on voit bien le contraste et couleurs et structure. Et la ligne directrice, on a vraiment l'impression qu'elle est en train de monter. C'est ça que j'ai voulu montrer en tout cas. C'est ça. Je vous l'enlève. Ouf. J'espère que vous la voyez bien. Donc utiliser des éléments naturels est hyper important. Quand vous avez des lignes directrices pour votre créativité, ça va booster le sujet, le mouvement que vous souhaitez faire, et ça va mettre en avant votre sujet. C est, c est, c est créa... En créativité, c'est hyper important. Voici donc, la dernière photo de l'astuce numéro euh, 9. On arrive à la dernière astuce, les amis, et c'est bientôt la fin. Je vous lis, je vous lis. Le lisse, le rugueux, la couleur, le monochrome, j'adore. Ouais, Rando. Daniel, euh, la guêpe coucou, exactement. C'est son autre nom, la guêpe coucou. Euh, Thibaut, tu... une vraie tenue de soirée, elle est superbe. Ouais, on est d'accord. Et Jérôme, ce type de mouche est en effet très belle. Ouais, on est d'accord, elle est très jolie. J'en ai pas vu souvent, hein, mais celle-là, j'étais content de la voir. Allez, on arrive à l'astuce, la dernière. La dernière astuce. L'astuce numéro 10, casser les règles. C'est bateau, c'est hyper bateau pour terminer ce live, mais c'est vrai. casser les règles. Toutes les astuces que je viens de vous donner, c'est des guides. Ça ne veut pas dire qu'il faut les utiliser à 100%. Faites-vous plaisir. Essayez pas de faire des trucs de malade. Essayez pas de... Ça y est, Solal, il revient, il recommence à faire ses conneries. T'arrêtes, hein, Solal. Je te remercie beaucoup, mon ami. C'est très sympa. Solal qui me fait un petit cadeau de 5 euros. Comme souvent dans les lives, c'est très gentil, Solal. Merci beaucoup pour ton soutien. Ça fait très plaisir. Merci infiniment. Donc, casser les règles. Euh, voilà, c'est très important de vous faire plaisir. Faites ce que vous avez envie de faire. Il n'y a personne qui est là pour vous donner exactement ce qu'il faut faire, exactement, euh, voilà, vous avez des guides, mais faites-vous plaisir, quoi, faites-vous plaisir, c'est ça que je voulais dire donc casser les règles, changer, varier, casser les trucs, euh, euh, il y aura toujours qui vous diront, ouais, mais c'est comme ça qu'on fait, et pas comme ça, et ouvre comme ça, et ferme comme ça, mais utilise un stabilisateur, mais non, pas le stabilisateur, prends tel objectif, mais prends pas ça, enfin, et faites-vous plaisir, je vous rappelle que la photographie, ça veut dire écrire avec de la lumière, dessiner avec de la lumière. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc vous devez créer quelque chose. Et en aucun cas suivre un dogme obligatoire. Je trouve ça complètement aberrant. Donc casser les règles. Je vous donne quelques photos, exemples où j'ai cassé les règles. Alors, en tout cas, j'estime avoir cassé les règles. Il y a celle-là. Vous allez dire, euh, t'es à fond dans les gouttes, Nico ou quoi Qu'est-ce qui se passe euh, En fait, j'ai essayé, j'ai bien dit essayer, avec un 50 mm. Euh, elle n'est pas terminée cette photo, on a encore des tâches et tout. Euh, j'ai essayé avec un 50 mm en fait, de faire une photo macro. Vous voyez, on est encore sur une goutte qui était en train de tomber, hein, qui a failli tomber d'ailleurs, et pourtant je suis avec un 50 mm, donc avec une photo qui est plutôt de portrait, euh, à main levée, sans stabilisateur. Vous voyez, et même si elle n'est pas parfaite, on est d'accord, hein, j'ai pas fait de retouche, donc il euh, faut que j'enlève les tâches, il euh, faut que je monte un peu les lumières, etc. Néanmoins, mais regardez la netteté quand même de cette goutte. Et regardez la particularité, je ne sais pas si vous voyez dans votre écran, mais on voit des choses dans la goutte. On voit la branche du dessus. Je, vois même, je me demande même si ce qui est en dessous en bas, si c'est pas moi, un morceau de mon bras ou je ne sais pas quoi. Donc vous voyez, c'est vraiment casser les choses. Et la photo n'est pas si dégueu que ça quand elle sera un petit peu retouchée. Donc euh, pourtant, c'est un 50 mm. Donc, euh, je vous assurer que la goutte était quand même relativement grosse. Et pour la voir nette, ce n'était pas forcément facile. Et puis surtout de la voir, tout simplement parce qu'elle était en train de tomber. On a Tito qui nous parle. Beaucoup d'insectes ou animaux sont mis en valeur avec nos boîtiers, car l'œil humain ne possède pas la capacité d'adaptation couleur-vitesse-lumière. Les, les animaux sont mieux dotés que nous. On est d'accord. Faire du macro, Tito, ça nous fait rentrer dans un monde incroyable. Hein. On est d'accord. Euh, la photo, c'est son pl plaisir en premier, la vie des autres est secondaire. On n'a qu'une vie, donc se faire plaisir et partager. Mais on est tellement d'accord ensemble, Tito. Je suis tellement ta même philosophie de vie. En tout cas pour la photo. On est d'accord. Merci pour ton partage. Rando, la photo, c'est l'émotion. Quand on a, quand on la prend et c'est là qu'on peut transmettre parfois une photo ratée est plus belle qu'une photo pensée. Et <laughs> c'est joli ça. Il faudrait la mettre dans pseudo ou dans, ton, dans ta chaîne YouTube. C'est très sympa comme, comme truc. Une photo ratée est plus belle qu'une photo. Parfois une photo pensée. Très sympa. Tito la goutte fait l'effet de la boule cristal. Ouais, c'est ça l'effet à l'envers. Tout à fait. Allez, je vous montre une deuxième photo qui est un peu particulière. Encore une fois, avec un 150-600. Et j'ai pris tout simplement des graines. Euh, D'un arbre, je sais même pas ce que c'est cet arbuste, j'en sais rien du tout. Il était en fleur au mois d'avril et ses fleurs et, et tout le côté un petit peu bourgeon, c'était ça. Et je ne savais pas du tout ce que, trop ce que c'était. Je l'ai pris en photo et je l'ai pris avec un 150 mm. Pareil, hein, elle n'est pas extraordinaire ou je ne sais quoi, mais euh, je la trouve très sympathique. Je la trouve assez jolie. Il y a des filaments, il y a des graines, il y a certainement. Euh des morceaux de sexe mâle, des morceaux de sexe femelle. Je ne sais pas comment ça se passait là-dedans, mais je trouvais ça hyper intéressant. J'avais eu envie de zoomer pour voir à peu près à l'intérieur ce que c'était. Je n'avais pas mon macro, j'ai eu envie de faire ça avec le téléobjectif. Voilà, je trouvais ça intéressant et, et je pense que la photo est quand même plutôt sympathique à utiliser pour je ne sais quoi, mais euh, voilà, je la trouve vraiment sympa et de manière générale, euh, j'aime bien moi casser les codes. J'aime bien aller au-delà de... De, de, des choses qu'on nous dit ou quoi que ce soit. Je trouve pas ça forcément hyper intéressant de suivre toujours ce qui est marqué dans les bouquins. Il faut être à péter un peu un câble de temps en temps et faire un peu le foufou. Euh, titi, euh, c'est la base de se faire plaisir et c'est comme ça qu'on arrive à être heureux. Ouais, eh ouais, tu es tout à fait d'accord avec toi. Bon les amis, 22h20, on a fait 1h20 de live. On a fait donc 10 astuces que je vous euh, rappelle. Voilà, on va revoir ma tête en gros. Je vous rappelle donc les différentes astuces, que ce soit l'astuce numéro 1 qui était plutôt sur. Euh euh, faire attention à la lumière quand et où. Après, il y avait la règle des tiers, il y avait varié les contrastes, il y avait varié également euh, votre zone de prise de vue, il y avait euh, le noir et blanc pour les photos ratées. Euh... Enfin, bref, vous avez vu, il y a plein plein d'astuces différentes. C'est ce que j'utilise, pas tout le temps à chaque fois, j'utilise souvent ça. Et j'avais envie tout simplement de vous les partager parce que je me suis dit qu'il y a, a peut-être quelques-uns d'entre vous qui allaient partir en vacances, si ce n'était pas déjà fait, et peut-être que vous pourrez utiliser... Si c'est une, c'est pas grave. Moi, ça me va. Si vous avez appris un truc, ça me suffit largement. Si vous avez appris zéro truc, j'en suis désolé. Mais en tout cas, moi, je suis sûr que vous m'avez appris plein de choses, comme d'habitude. Et puis, votre présence m'était fort sympathique. Donc, euh, il n'y aura pas forcément de vidéo qui va sortir très prochainement, dans la mesure où je vais partir également en vacances. Euh, je vous réserve une petite surprise avec des images de dingue euh, sur les faucons cresserelles. J'ai eu la chance de, de, de côtoyer un nid de très près avec un jeune qui s'est barré. Et Solal qui recommence, bonne soirée. Salut Solal, c'est très gentil. Merci infiniment de ton soutien. Je t'embrasse très très fort. On se dit à très bientôt. Prends soin de toi, Solal. Tu es très gentil. Merci beaucoup pour ton soutien. Allez voir les photos de Solal, au fait. Il a un compte Instagram. Vous tapez exactement ce pseudo-là, Solal Bruckmann, vous allez voir les photos qu'il fait. Euh, Qu'est-ce que vous Allez, je vous lis une dernière fois, après j'y vais. Euh, non, non, non J'imagine une tête de chien, un poil long. Ok, Jérôme. Thibaut, tu l'as pris pour te rappeler le temps où tu avais des cheveux. Ça, Thibaut, c'est gratuit. On avait dit, on se fout pas de la gueule de ton YouTuber préféré. Euh, merci Nico et bonne soirée à tous. Oui, ça marche. Je vous embrasse très fort. Je vous, dis de passer de... Enfin, je vous souhaite de passer de très très bonnes vacances. Euh, je pense que la prochaine vidéo ou contenu, ça sera mi-août, fin août, plutôt fin août. On va essayer de se reposer un tout petit peu avec cette année un peu compliquée. Je vous embrasse très très fort. La nature vous remercie. Nicolas Fon vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao